paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu dans ce deuxième épisode de Comment faire et créer 10 15 cadres photo. Le travail manuel simple et très facile, vous avez besoin d'innovation et de concentration sur l'art et la créativité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. في هذه الحلقة الثانية لكيفية صنع وابتكار إطارات صور 10-15 بأعمال يدوية بسيطة جد سهلة تحتاج إلى ابتكار وتركيز من أجل الفن والإبداع. La vidéo faire toujours des cadres photo 10 15 ou 15 21. J'ai besoin des outils nécessaires, scie à main pour le bois, une ponceuse à main, aide en cours de ponçage. Facilement papier de verre multi grossier à utiliser avec une ponceuse manuelle suite à un marteau, puis un chiffon, ensemble de tournevis, ruban à mesurer, la colle blanche est également fabriquée pour la colle à bois Selsayon. Quant aux outils et produits de base, il a deux parties, hauteur et largeur du cadre, puis découper un petit carton ou de la planche de cerf-volant en bois. على بركة الله لإتمام الفيديو. دائما في صنع إطارات صور 10-15 أو 15-21 فأحتاج إلى الأدوات اللازمة، من شعر يدوي للخشب، أداة الصنفرة اليدوية تساعد في عملية الصنفرة بسهولة، ورق صنفرة متعدد الخشونة خاص للاستعمال مع أداة الصنفرة اليدوية، كذلك إلى مطرقة ثم قماشة، طقم مكفات، شريط قياس الغراء الأبيض، كذلك إلى لصقة الخشب السوليسيون. بالنسبة للأدوات السلع فلدي الطرفين الإطار الطول والعرض، ثم قطع صغيرة من الورق المقوى أو من اللوحة الورقية الخشبية. We'll be right back.
Après avoir récupéré le pneu, je récupère les jambes au bout du doigt après l'avoir séparé. De la même manière, je le ferai pour le pneu après l'avoir collecté, c'est-à-dire ce cadre. Je confirme la taille de 10-15 pour ces travaux. Il est souhaitable, après avoir préparé le numéro entre 10, 20 ou 25. Selon la capacité, chaque mouvement fonctionnera dans un cadre prolongé la journée. Mais si le travail est au soleil une heure ou une heure et demie, sauf pour le travail de peinture fougère, cela doit être 8 heures pour la première couche. La deuxième couche a besoin de quelques jours et est à l'ombre. هذا لجمع الإطار، وبعد جمع الإطار أقوم بجمع الأرجل بطرف الخشب الرقيقة. بعد فصالتها ونفس الطريقة سأقوم بها للإطار. بعد جمعه أي هذا الإطار، أؤكد قياس 10 و أؤكد قياس 10-15. فبالنسبة لهذه الأعمال فهي يستحسن بعد إعداد العدد ما بين 10 إطارات أو 20 أو 25 حسب الاستطاعة. فكل حركة العمل في الإطار تطيل يوم، أما إذا كان العمل في الشمس فساعة أو ساعة ونصف، ما عدا عمل اطلاء بالفيرني فيجب 8 ساعات للطبقة الأولى، أما الطبقة الثانية فتحتاج بضعة أيام ويكون العمل في الظل. We'll be right back.
honorables téléspectateurs, notre épisode se termine. Suivez-nous dans le troisième épisode pour la suite. Nous vous remercions de votre suivi et à la rencontre avec la prochaine vidéo, si Dieu le veut. وإلى هنا مشاهدين أفاضل تنتهي حلقتنا تابعونا في الحلقة الثالثة لتروا التتمة وشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع فيديو القادم إن شاء الله.